l'eau demeure omniprésente sur notre territoire. C'est une ressource essentielle de notre destination, exceptionnelle. L'eau renvoie à la mobilité, à la circulation, à l'ouverture. Elle peut être un obstacle, une frontière, mais elle est aussi un facteur de lien, un facteur de relation. 80% de l'eau douce qui vient dans le golfe du Morbihan sillonne d'ailleurs avant les territoires du Nord. Et quand on veut développer le tourisme sur l'ensemble de notre territoire, c'est un bel exemple de lien entre l'ensemble de nos communes. On voit que cette thématique, elle est transversale, qu'elle est mondiale, mais je ne doute pas quel avenir nous devrons, avec les générations futures, s'en saisir de plus en plus. Le tourisme est évidemment un moteur, une ressource indispensable au développement économique de ce beau territoire et plus particulièrement de la zone côtière et du Golfe. On ne nous imposera jamais de créer une charte du voyageur. Donc on va se l'imposer nous-mêmes et il convient de réguler l'activité touristique et concilier développement touristique et qualité de vie dans l'espace et le temps. Nous dépendons tous de la qualité de l'eau, de l'environnement, des océans. Et par conséquent, c'est important que chaque individu réalise que chacun d'entre nous peut faire une différence. D'un bout à l'autre des océans, on est connecté à une goutte d'eau. Elle peut parcourir grâce au courant marin quasiment le tour du monde. Je pense que la photographie et la vidéo sont des outils très puissants qui peuvent nous permettre de reconnecter l'homme à la nature. Et espérons faire changer les choses. Le citoyen devient tout simplement un acteur de la dynamique de l'interface terre-mer, plutôt tout simplement un spectateur qui est en train d'observer des constats au quotidien. Un des grands objectifs du projet, c'est de créer un grand réseau de valeurs. Donc on essaye de mettre en lien un maximum de personnes. On doit se reconnecter à nos natures humaines, terrestres, mais surtout humaines, parce que si on ne se respecte pas nous-mêmes, il n'y a pas moyen qu'on puisse respecter la Terre. Le commandant Cousteau disait, quand il parlait avec son fils Jean-Michel, « On ne protège que ce que l'on aime. » Oui, mais comment est-ce qu'on peut apprendre à aimer ce que l'on ne connaît pas encore ? L'apnéiste n'est pas seulement un compétiteur, il est un témoin essentiel de la beauté et de la fragilité de la biodiversité marine. Je peux le dire tous les jours parce qu'on est un passager discret dans l'eau, on consomme rien, on regarde, on contemple et puis on s'en va. Et donc ça, c'est quand même merveilleux. Alors la Bretagne, c'est la zone dans le monde la plus riche en termes de biodiversité. C'est 800 espèces. Il y a un marnage d'eau exceptionnel pour justement avoir une algue de très grande qualité. On a des fonds marins exceptionnels. Avec mon équipe, le but ultime, c'est de trouver des trésors visuels pour pouvoir les partager ensuite avec le public partout dans le monde. Et ben, l'eau, c'est déjà 95% des kilomètres que j'ai pu effectuer dans le Grand Nord. Soit sur le tapis roulant merveilleux des fleuves qui m'ont permis de traverser l'Alaska, la Mongolie, la Mandchourie, la Sibérie en canoë, la neige, la glace de la banquise, des fleuves, des lacs sur lesquels j'ai voyagé. Toute goutte d'eau, qu'elle tombe du ciel, qu'elle parte des glaciers, qu'elle chemine, cette goutte d'eau, depuis les cours d'eau du Hézot ou de Grandchon. Cette goutte d'eau, quelle qu'elle soit, termine forcément et inexorablement dans l'océan.